Qui bloque réellement les travaux de réhabilitation du stade Kikula? C'est une question qui fait couler l'encre et la salive dans le milieu sportif à Katangé en général et en particulier ses délicaties. C'est depuis l'année passée, l'équipe Yangwa Kilimanjaro, ma équipe Yetu Yamulikasi, il chezea paka kule kumpanda, ingine championnat kule kushukuru. Mturangaria kule kumpanda, bingine balanza kujiplendre, mpanda kuna chezea mutere yake, fotu kwe mutere yetu, ile tunachezea yake, ile akikula. Meturichunga sana ni depuis l'année passée, barisema dans 3 mois, 6 mois itaisha. Mena hapa sasa tunangaria, tunaona terrain aishe paka hapa sasa. Championnat de deuxième division inafia kwanza tena hapa sasa. Stada baishe paka. Atiwe kama tutachezea paka kumpanda, tutachezea homo. Souci munene ni fait que tunangaria stade mbele ay avancé. Jusque là ma travaux iko bloqué. Alors, chier pour nous, les secrétaires, on avait décidé que Tuchese championnat. Vu que, bah, obligé que championnat Tuchese, bah, tout ce que moi, Tuchese, que c'est le pays, tout le monde a les regrets parce que stade est, il fallait humaniser que Tuchese le stade. Cet édifice qui a connu les travaux de réhabilitation depuis 30 juin 2016, avant même les autres stades déjà inaugurés et utilisés même à l'instar des celui de la Concorde des Gomans, Manika Djulualaba, Joseph Kabila et Kachala Bonzola du Kassai. Mais force est de constater que celui de Kikula avance à pas des tortues, au risque même de pénaliser l'entente urbaine des footballs de Likasi de bien fonctionner, mais aussi à l'Union sportive Mpanda B52, Kilimanjaro, le deux représentants de la ville de Likasi dans la Ligue 2 du championnat national des footballs. Et le calendrier sorti, nous avons eu le calendrier en début de semaine. Notre stade du CLP a été retenu. Pour cela, nous remercions la NAFOOT qui nous a vraiment entendus. Parce que nous avons eu à dépêcher notre secrétaire à Kinshasa, au sein de la NAFOOT, avec des images, des photos pour montrer un peu le terrain du CLP, qui est un bon terrain, un terrain sur lequel même l'équipe nationale de Léopard par le passé préparait ses rencontres. Le terrain du CLP est retenu pour cette saison. Du moins pour la phase aller, nous avons des calendriers. C'est un problème crucial, hein, le problème du stade. C'est partout au monde, les rencontres se jouent en aller-retour, c'est-à-dire on joue à l'extérieur et on joue chez soi. Donc quand on a un problème de terrain, c'est un handicap sérieux. Nous avons eu à visiter le terrain de Kikula il y a quelques semaines. Nous avons vu qu'il y avait encore des travaux à faire à Kikula. On a quand même constaté qu'il y avait du bon travail qui s'y faisait. Nous devons croire qu'avec notre nouveau gouverneur, les travaux vont continuer à un rythme un peu plus accéléré et que d'ici quelques mois, le stade de Kikula pourra être disponible pour le grand sportif de Likasi. Faudra-t-il dire que, malgré son indisponibilité cette saison, l'entente urbaine des footballs de Likasi s'est au moins arrangée pour organiser le championnat au terrain CLP, des Pandas et celui des Chitourou.